cela glisser sur une zone plate ensuite, droite-gauche probablement, une vingtaine de mètres. Ce sont des potes extrêmement délicats, ne serait-ce que sur le dosage déjà. Mais on voit bien ce que hein. Bon, ça monte hein. Beaucoup hein. Au démarrage. Droite-gauche, vous l'avez dit. Après, bon là, objectif, c'est pour y attendre, c'est faire de top. Là, il n'y a que ça dans la tête. Hein. Maintenant qu'il a prévu la pente, après c'est bien sûr c'est tout le dosage. Tant que les spectateurs derrière arrêtent de marcher et. Ouais, difficile parce que quelqu'un qui se pose devant la balle et qui lève les yeux pour regarder le trou, là il voit parfaitement les gens qui bougent ou pas dans son axe. Que la sensation de pouvoir répéter ce mouvement pour essayer de s'imprégner de la distance. On est parti assez tôt sur la ligne. Donc. Le dosage est bon. Et vous voyez, il reste encore un bon 1,50 m. Hein. Il aura 2 mètres. Il aura. Alors la réponse. On retrouve en attendant Alexander Lévy au départ du 14. Un peu moins de 400 mètres se trouve. Un bon parcours pour le Français. Tapé avec conviction. Il va faire une belle distance. Regardez. Superbe. Il est coupé. Il est coupé même s'il est en face hein, du par rapport au départ, mais c'est très très bien. Se trouve 14 est un vrai dogme gauche. Il est accroché. Et du coup, il faut oser couper très à gauche après. Henri. Son coup de fer vite un petit peu mou. Lui aussi, hein, aller chercher deux potes sur ce difficile par 4 de 12. Il fait parcourir les Emirates. C'est bien. Difficile pour l'instant, Stenson, peut-être un birdie ici. Allez. Juste assez d'énergie. 14 de poulet, Romain Wattem, le 4e qualifié pour ce week-end chez les tricolores, qui est à moins 7. Romain Wattem, moins 2 après 12 tours. Alors oui, du coup, c'est un peu difficile quand même parce qu'il a été parti déplacé, Miguel. Il avait des branches des palmiers, il a rien touché, mais heureusement. J'ai l'impression que c'est pas fait plein de bassins. C'est pas fait voir le poignet, en tout cas, son club s'est bloqué. Il a lâché très vite son bras droit. Il avait en main. L'approche va être délicate. Hein. Thomas Détry, toujours très droit au putting, ce belge. Il est inversé pour Thomas Détry. C'est juste à gauche. Ouais, peut-être comme Jordan Spieth, hein, très droit devant la balle, ce clip inversé. C'est bien verrouillé là. C'est bien, c'est marrant, vous compariez. Il y a un peu de similitude entre ça, là. Physiquement, dans la gestuelle entre les deux hommes. Je crois que là, c'est pas encore le même. Non, mais ensuite, il y a Thomas Détry d'avoir le chemin de Jordan Spieth. Hein, non, mais bon. Alors, il fait le pied. Là, on l'a avec le Gilles. Puisque c'est Harry Lime qui est sur le sac de Rory McIlroy depuis quelques temps maintenant. Il ne le saute pas encore. Non, pas peut-être l'année prochaine. Alexandre Lévy, co-leader, si vous venez de nous retrouver, c'est une belle surprise que vous découvrez sur ce leaderboard. Grégory Avray va en terminer. Il est moins 11 total, moins 5 pour sa journée. Nous avons ensuite Mathieu Pavé, qui est moins 9 total. Donc la 40e place, moins 4 après 14 de trou. Et Romain Wattem, le 4e qualifié pour ce week-end chez les tricolores, est à moins 7. Romain Wattem, moins 2 après 12 trous. Ah oui, du coup, bon, c'est un peu difficile quand même parce qu'il a été parti déplacé, Miguel. Il avait des branches de palmier, je crois qu'il n'a rien touché, mais où était la droite de l'eau. Heureusement. Et j'ai l'impression que c'est parti plein de bassins. Je ne sais pas si c'est pas fait mal au poignet, en tout cas.